Shalom, nous allons étudier le daf Zayin dans Maserhet Shvuot et nous reprenons quelques lignes à la fin du daf Vav Amud Bet. Etiesh Yedia, Etiesh Ba Yedia Betrila, Yedia Basof. Et la Gemara ici, donc aux deux points, va reprendre la partie de la Mishnah qui concerne Yediaot Atum'a, donc le cas où la personne en état d'impureté est rentrée dans le Bet Amigdash ou a consommé des Kadashim. Et qu'elle devra apporter Korban Olav Yored, qui est le lien avec Shvuot, puisqu'au départ on parle de Korban Olav Yored pour Shvuot, et du coup on enchaîne sur l'autre interdit qui entraîne cela. Alors, donc on a terminé sur tout ce qui était Negaim, on va rentrer donc dans le vif du sujet qui concerne les deux premiers chapitres. Je conseille fortement à ceux qui veulent bien comprendre de prendre le texte dans Vaikra. On a dans Vaikra, chapitre He, on a les premiers versets. Le premier verset parle de celui qui a fauté en entendant quelque chose ou en assistant à une situation et il porte la faute de ne pas avoir témoigné. Donc c'est le fameux, shvua dans lequel la personne jure qu'elle ne sait pas alors qu'elle sait. C'était un des cas qu'on a cité. Ou une personne qui touche toute chose impure, ou bien il traya temea, ou qui touche une dépouille d'un animal sauvage impur, ou bien il behema temea, ou même du corps d'un animal qui est behema, qui est un animal donc domestique, ou bien il cheres tamé, ou qui a touché la dépouille d'un animal impur, d'un cheres, d'un rampant, venera mimenu, et la personne n'est pas au courant. Et où t'as mévé Hachem, le fait d'être impur fait qu'il commet une faute. Vous remarquez ici qu'on ne dit pas réellement quelle est sa faute. On peut même penser que le simple fait de Vehutame, d'être tamé vé Hachem. Si on s'arrête au pshat, on pourrait même penser que c'est ni quelqu'un qui rentre au Bet Hamikdash, ni quelqu'un qui a mangé, mais quelqu'un, parce qu'il a touché d'avoir tamé, ni la trahé tamé, behemat mea, sheretz tamé, vene ala, mais qu'il ne sait pas, Vehutame vé Hachem, on verra justement. Ce qu'on apprend de cela, Okiga Betumat Adam, et autre situation donc dans le verset Guimel, celui qui touche Betumat Adam à l'impureté venant d'un homme, donc Tumat Met, les Chol Tumato pour toute cette Tum'a, on va dire, et là aussi on aura un limout par rapport à cela, Ashayit Maba, dans lequel il s'impurifiera, Vena Alam Imenu, et là aussi il n'est pas au courant, Vehu Yada, une fois qu'il le sait, Ve Hashem, il sera coupable, et donc à ce moment-là, il devra, donc je vous épargne la suite, au Nefesh qui dit Shava, après ça parle de Shvuot, et au bout de quelques versets dans cette paracha, verset va, Ve'evi et Hachamo, l'Hachem, il amènera le Hacham, Al-Khatato, Shachata, Nekeva, Minatson, Kizba, après, parce que Zain, Ve'im Lota, Gyaria, Dodese, et s'il ne peut pas acheter ce genre d'animal, à ce moment-là, il prendra Shete Torim, Oshne Bneyona, dans le Pasuk Zain, et dans le Pasuk Yud Alef, mais s'il ne peut même pas prendre les deux volailles ou les chnebneyona, à ce moment-là, il prendra korbano shechata asirita efa solet les hatat, il prendra un asirita efa, un dixième de efa de farine. Donc on a ici vraiment la paracha de korban enlevé yoret, ce qui vraiment est notre sujet pour l'instant, c'est-à-dire le korban dont la valeur enlevé monte ou yored descend en fonction des capacités financières de la personne. Et encore une fois, dans cette paracha, on a parlé de celui qui refuse de témoigner. On a parlé un peu plus tard de celui qui fait des serments. Et entre les deux, on a les versets 2 et 3 qui parlent d'une personne qui aurait touché un animal impur d'une quelconque manière, quel que soit le type d'animal, ou qui aurait contracté une impureté au contact d'un homme décédé. Mais encore une fois, on ne précise pas quel est le problème de cette impureté. Est-ce que c'est l'impureté en elle-même? Est-ce que c'est le fait de rentrer au Mikdash? Nous, on sait déjà, à la Halema, c'est que c'est le fait de rentrer au Mikdash et le fait de consommer des Kadashim alors qu'il est tamé, mais le verset ne le dit pas, et c'est pour ça qu'on va avoir besoin finalement de bien commenter ces versets. Donc on reprend donc maintenant la fin du daf Varamudbet et Yeshba Yedia Bitrila Basof. On a dit dans la Mishnah que celui qui a une Yedia au début et qu'il a une Yedia à la fin, mais entre les deux il est oublié, à ce moment-là c'est lui qui rentre exactement dans le cadre de Korban Olé Veyoret. Tanu Rabbanan en Braïta. D'où sait-on que les versets qu'on a cités justement parlent de Tumat Mikdash Vekadasha? Déjà dans la question, dans la formulation, je veux dire, il y a déjà une ambiguïté.
on a l'impression ici qu'on sait déjà que ça parle de Touma de Mikdash Vekadasha, mais qu'on veut simplement nous dire que ça ne parle pas d'autre chose. Quand je lis le texte, d'où sait-on que ça ne parle que de cela? Alors là aussi, c'est pas évident. Est-ce qu'on veut prouver que ça parle du Mikdash Vekadasha ou est-ce qu'on veut prouver que ça ne parle pas d'autre chose? On le verra. Vedinhu, c'est logique. Oil Vezir Ve'anash Alatuma. Puisque déjà, au niveau de la Hazara, de l'interdit, et de Anash, de la sanction, Riev Korban Altuma, on a effectivement dans ces cas-là des cas où on parle de Mikdash Vekodesh. Là-bas, Riev Korban Altuma, on parle là-bas de Touma Abeshogeng, Mashizir Abeanash Altuma, Loizir Abeanash et la Touma de Mikdash Vekadashav. De la manière que là-bas, lorsqu'on interdit, qu'on punit, on parle de Mikdash et de Kadashav, Akshi Riev Korban Altuma, Lochiev et la Touma de Mikdash Vekadashav. Je vous cite les versets, donc on parle ici de trois notions. Azara, l'interdit, Anash, la sanction, et après le Chiyuv. Donc il y a trois choses. On a dit que dans tous les cas, la Torah, toujours, avant même de parler de sanction ou de parler d'obligation, elle doit d'abord interdire. Donc je vais vous citer ici les versets qui interdisent. Velo yetameu et machanehem. On a interdit d'impurifier le camp, donc c'est le Bet Amigdash. Donc ça, c'est ce qui m'apprend que je n'ai pas le droit de rentrer au Migdash en état d'impureté. Après, pour la consommation, Bakodashim, lo yochal. Il ne consommera pas des kodashim, des korbanot, adashaita, jusqu'à ce qu'il soit pur. Donc là, ici, on a deux versets pour nous apprendre qu'il est interdit de consommer des korbanot ou de rentrer au Mikdash en état d'impureté. Maintenant, ça ne veut pas dire que j'ai une sanction. Quelle est la sanction? La sanction, elle est karet, le retranchement. Et ça, c'est marqué dans Bamidbar. Ve'ish ashaitma, un homme qui sera impurifié. Ve'loitrata, et il ne sera pas purifié. Ve'nicheta nefeshai, mitochaka'al ket Mikdash Hashem timé. Il sera retranché du Kahal de l'Assemblée d'Israël. Pourquoi? Car il a impurifié le Mikdash. Donc on a ici, par rapport au Mikdash, déjà l'interdit et la sanction qui est karet par rapport au fait de consommer. Et celui qui consommera de la viande, des Zevar HaShelamim, des Korbanot, Hachal HaShem qui appartiennent à Dieu. Alors que son impureté est encore sur lui, cette âme-là sera retranchée. Donc on a ici cité les quatre sources qui nous permettent d'apprendre qu'à la fois le fait de rentrer au Beit HaMikdash et à la fois le fait de consommer des korbanot, les deux en état d'impureté, sont à la fois interdites par un verset qui vient simplement nous dire qu'on ne doit pas le faire, on ne doit pas rentrer au Mikdash, on ne doit pas consommer des kadashim lorsqu'on est impur. Et après, on a deux versets qui disent à chaque fois Venicheta, Venicheta, pour dire que la sanction, donc ce qu'on appelle ici Ronesh, Izir Veranash, là on interdit et on sanctionne. Maintenant, il y a aussi une obligation d'apporter un korban. Et D'où sait-on que la fameuse paracha qu'on a citée au début dans Vaikra, qui ne rentre pas dans le détail, qui dit simplement que Korban Olav Yoret, ça concerne aussi celui, Achatiga, celui qui touche un animal impur, quel qu'il soit, ou une personne impure, d'où sait-on que là-bas aussi, c'est Mikdash Vekadasha, on fait une sorte de Ekech, Zerach, ça va de la même manière, ou plutôt Madin, de la même manière que là-bas, dans l'interdit et dans la sanction, on parle que de rentrer au Mikdash et que de consommer des Kadashim. On va dire aussi qu'au niveau du Riouf Korban, le Korban enlevé Yored, même si la bande ne précise pas quel est le problème de l'impureté, on va dire aussi Av Shechriev Korban Alatuma, Lochriev Elatumat Mikdash Vekadasha. Alors maintenant, mais ce n'est pas suffisant. Parce que je pourrais te dire Ve'ema, Trouma, tu peux dire Trouma, Sheizir, Ve'anash, que la Trouma aussi, par ailleurs, c'est interdit de consommer la Trouma en état d'impureté. C'est marqué aussi que celui qui consomme de la trauma en état d'impureté, il est chayav, mais il est chayav là-bas, mita, mideshamim, il est chayav d'une mort, on va dire spirituelle, une mort qui est donnée par le ciel, non pas par le beddin. Et donc, là, comme on a dit à ce jeu-là, tu peux très bien dire que toutes les autres impuretés, toutes les autres interdits liés à l'impureté, qui sont déjà interdits dans un pasouk et sanctionnés, je les rajouterai dans la paracha de Korban Olav Yoret, parce que la paracha de Korban Olav Yoret, encore une fois, ne précise pas quel est le problème de l'impureté. C'est quelqu'un qui s'est rendu impur. Et à ce moment-là, il dit Veyada Vehachem. Une fois qu'il le sait, il Hachem ou Vetame Vehachem. Alors, ici, déjà sur la question de Trouma, il y en a qui pensent que ici on propose de dire que la Trouma serait le seul sujet qui serait concerné par le Veyored à la place de Mikdash et de Kadashim. Et il y en a qui disent que non, c'est en plus. Donc, encore une fois, ça revient à ce qu'on a dit il y a quelques minutes. Est-ce que la question ici de la Braïta, en disant que la Paracha ne parle que de ça, est-ce qu'on part du principe que c'est sûr que ça parle de Kadashim et de Mikdash, la question c'est est-ce que ça parle aussi d'autre chose ou est-ce que non? Là on ne sait même pas que ça parle de cela. C'est les Tosfot dira par exemple que c'est sûr que Mikdash et Kadashim c'est inclus.
La question, c'est ce qu'on rajoute Trouma. En tout cas, la Gemara repousse. Trouma, c'est pas possible. Alors, Shekhan Avon Mita de Chayav Ale Korban. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais vu un Issour qui n'est pas assez grave, c'est-à-dire qui n'a que Avon Mita dans la gravité des interdits. Mita Bide Shamaim, la mort imposée par le ciel, est moins grave que Karet. Alors, après, il y a la mort imposée par le Bedin qui est bien plus grave. Mais en tout cas, la mort imposée par le ciel est moins grave. Et donc, quand la personne est volontaire dans son acte, et qu'elle est sanctionnée par Avon Mita, par la mort Bidei Shamaim, à ce moment-là, on n'a jamais vu que Beshogeg, lorsqu'elle ne le fait pas exprès, qu'elle oublie, on n'a jamais vu qu'elle a un korban. Et donc, c'est ce qui fait qu'on repousse Trouma. La Gemara dit, attends, qui te dit? Eman Emile korban kavua. Tu as raison, par rapport à un khatat classique. Khatat classique ici qu'on appelle korban kavua, un sacrifice fixe, c'est-à-dire qu'il est toujours le même. Là, effectivement, on n'a jamais vu qu'un issour qui n'entraînait que Mita Bidei Shamaim entraînait un korban. Mais là ici, Aval, enlève et yored. Comme ici on a affaire à un korban qui est relatif, enlève et yored. Naïté, on peut peut-être l'inclure dedans. Midei d'Ava Shmirat Kol, Vébitu Isfataim, comme le kalaba de Shmirat Kol, celui qui entend quelque chose et qui ne le dit pas, ou Bitu Isfataim, ou celui qui prononce un interdit, de manière volontaire, on n'a ni karet, ni Mita. Et pourtant, on a Corban, enlève et yored. Donc la Gemara repousse là et dit c'est pas vrai. Tu peux très bien avoir quelque chose qui est moins grave que Karet et qui a Corban, enlève et yored. Effectivement, un Corban Khatat Pesik, ce qu'on appelle Corban Kavua, on ne trouvera jamais quelqu'un qui faute par inadvertance et qui devra apporter un Corban Khatat fixe si la faute n'est pas sanctionnable de manière volontaire par quelque chose qui est au moins aussi grave que Karet. Mais par contre, si c'est Corban enlève et yored, on a déjà vu que même moins que Karet, on peut se retrouver à devoir apporter ce korban-là. L'exemple, c'est Shmirat Kol et Bitu Sataim, qui sont encore une fois ceux qu'on a cités dans cette même paracha. Shmirat Kol, c'est le premier verset. Et Bitu Sataim, c'est un peu plus tard, juste après, justement, cette histoire de Tum'a. Et donc, on repousse cette idée-là. Comment faire en sorte, encore une fois, que dans cette paracha de Vaikra, qui ne cite pas, encore une fois, de manière précise, quel est le problème de l'impureté, la fameuse paracha dans Vaikra, donc, chapitre He, où on nous dit là-bas que parmi les choses qui vont nécessiter un korban enlevé yored, on a également le problème du bonhomme tamé, d'où on sait que ça ne parle que de Mikdash Vekadashim et que ça ne parle pas également de Trouma. La Gemara dit à Markra à cause du verset. Okiga betumat Adam, lechol tumato ashaitma ba. L'expression à la fin, ba. Quand on a dit que celui qui touche les animaux, après celui qui touche un homme, et après on dit, lechol tumato, toute impureté ashaitma ba, dans laquelle il sera impurifié par elle, bah. Pourquoi on dit par elle? Pourquoi on veut préciser que c'est ça? C'est pour dire ce cas-là et pas autre chose. Bah, les maroté trouma, nous dit ici la Gemara, bah, c'est pour le cas qu'on a cité et ne vient pas en rajouter un autre. Quel est celui qu'on voudrait rajouter? C'est justement trouma. La Gemara dit le seul problème, c'est que vu que le verset ne dit pas exactement de quoi il parle, tu ne peux pas savoir ce qu'on exclut puisque tu n'es pas certain de ce qu'on parle déjà. Alors la Gemara dit, et ma bah, les maroté migdash. Qui te dit que bah, ça vient pas exclure justement le Mikdash, puisque c'est pas marqué. Delos agele, mais korban olav yored, a demaite korban kavua. Peut-être que justement le Mikdash est tellement grave que korban olav yored ne serait pas suffisant, qu'il faudra apporter un korban kavua. Donc du coup, la Gemara repousse cette source-là. Et encore une fois, quel que soit au départ, la question, est-ce que la question au départ c'était, est-ce qu'on inclut que Mikdash et Kodesh et on exclut Trouma? Ou est-ce que peut-être que Bichlal ont cherché la source même de Mikdash au Kodesh? Quoi qu'il arrive, à la fin, la solution qu'on a cherchée nous a posé plus de problèmes. Parce que maintenant qu'on a dit bas, et ben on sait que ça exclut quelque chose. Et que finalement, ce qu'on exclut, on ne peut pas le prouver. On se rend compte que même Mikdash, peut-être c'est lui qui est exclu. Et donc du coup, on se retrouve maintenant à devoir chercher quelle est la source réellement du fait que Korban enlève Yored, c'est pour Mikdash. Et trouve encore une fois, je rappelle que le fait de rentrer au Beit HaMikdash en état d'impureté, le fait que ce soit interdit, ou consommer les corbanotes. Hein. Le fait que ce soit interdit, c'est marqué dans un verset. Un verset qui est interdit de rentrer au Beit HaMikdash en état d'impureté, un verset qui est interdit de consommer des kadashim en état d'impureté. La sanction, karet, retranchement, là aussi on l'a cité tout à l'heure, il y a deux versets clairement qui le disent. La question ici, c'est la fameuse paracha de korban enlève yored, du korban donc khatat qui a une valeur qui fluctue. Cette paracha-là, lorsqu'elle parle de la touma, elle ne dit rien. Elle dit simplement, un homme qui touche des animaux impurs, vehu tamé, il est tamé, il sera sanctionné, ou s'il touche un homme impur, Veuillardé qu'il est au courant, VHM. On parle que simplement de l'impureté et on ne parle pas de ce qui s'est passé.
Avec, encore une fois, on n'aurait même pu penser, comme dit Rashi au début de la Sugya, que peut-être qu'on aurait pu penser que c'est le simple fait d'être impur qui poserait problème. On sait très bien que ce n'est pas le cas, mais en tout cas, c'est ce que le verset fait comprendre. Alors, du coup, Kare Rava Ale des Rabbis, ça va être Rava ici qui va apporter la réponse, mais avec plusieurs versions différentes. Première proposition, ici, on nous dit que il a dit au sujet de Rabbi Rabbi Danassi, Dolem Haim Iborot Amukim. Il a dit, Rabbi, c'est celui qui puise de l'eau de sources et de puits qui sont très profonds. C'est-à-dire qu'il arrive à chercher des enseignements et des drachot que d'autres ne savent pas trouver. C'est une braïta de Tanya Rabbi Omer. Et Kraani Chaya. Dans le verset, c'est marqué au départ Chaya. Le verset, on a dit, il est très répétitif hein, parce que, en effet, un homme qui touche toute chose impure. Après, on précise. Benivlat Chayat Mea, un animal mort, mais Chaya, un animal sauvage. Oh, Benivlat Behemat Mea, ou un animal domestique, Tamé. Alors là aussi c'est pareil, on n'a pas besoin de faire la distinction, parce qu'on sait très bien qu'un animal qui soit chaya ou behema, lorsqu'il est mort, il a une impureté. Donc pourquoi préciser les deux? Et krani chaya, behema la manimra. Une fois que tu m'as dit chaya, pourquoi tu me dis behema? Alors, neymar kan behemat mea, mais neymar le alan behemat mea, c'est pour faire une xera shava. Parce que c'est marqué chez nous, donc dans cette paracha behemat mea, et c'est marqué par ailleurs dans celui qui consomme des kodashim ou des shlamim. Là-bas de manière volontaire, où là-bas on a dit justement que ce sera karet, c'est marqué là-bas behemat mea aussi. Male alan tumat kodesh, afkan tumat kodesh. Donc de là on apprend la xeracha par rapport au verset qui sanctionne de karet, de retranchement, celui qui consomme des korbanot en étant impureté, de la sanction de ronesh, là où il est marqué là-bas behemat mea, comme chez nous behemat mea étant trop, on apprend que chez nous, dans le passouk, on parle de Tumat Kodesh. Donc on a déjà une source, Tumat Kodesh, le fait de consommer un animal, un korban, alors que la personne est impure, on sait maintenant que c'est korban dans le Yored, grâce à une Xerashava, Bema de chez nous, korban dans le Yored, à la paracha qui dit que c'est Chayav Karet. Maintenant, Ashkachan, Tumat Kodesh, Tumat Mikdash, Menalan. Donc la question maintenant se déporte sur Tumat Mikdash, d'où on sait maintenant que celui qui rentre au Beta Mikdash en étant impureté, on sait que c'est interdit, on sait que c'est Karet. Mais comment on sait que s'il ne le sait pas, comment on sait que ça rentre dans la paracha de Enlevé Yored? Marquera, le verset nous dit Bechol Kodesh Lotigar, Ve'el Amigdash Lotavo, Admelot Yemet Ahora là-bas. On parle là-bas de la femme hein, qui est impure après un accouchement, mais en tout cas là-bas c'est marqué Bechol Kodesh Lotigar. Elle ne touchera à rien de Kodesh. Le fait de parler de Kodesh, et qu'elle, on dit là-bas qu'elle ne rentrera pas au Migdash, et on met ça dans un klal, Bechol Kodesh Otiga. It cache Mikdash, les Kodesh. Donc on met sur le même plan, au sujet de la femme, tout ce qui est Kodesh et le fait de rentrer au Mikdash. Donc consommer tout ce qui est Kodesh et le fait de rentrer au Mikdash, on les met ensemble pour dire finalement que ce sera le même statut. Alors m'a dit, attends, mais si tu fais cela, à ce moment-là, tu dois inclure Trouma. Yachi, Trouma Nami. Dehamar, Bechol Kodesh Otiga, les rabot et ta Trouma. Alors quand tu dis Bechol Kodesh et que tout Kodesh, tu le transposes au Mikdash, tu devrais dire pareil pour la Trouma. La non, Ha Mi'ad Rahamana, bah, rappelle-toi qu'on a dit tout à l'heure que dans la paracha de Korban dans le Yored, il y a une exclusion. A Shaït Maba, l'Echol Tumato Shaït Maba, cette impureté-là et pas une autre. On exclut, excusez-moi, Trouma. La Gemara dit, mais attends, on a vu que, bah, on ne sait pas ce que ça exclut, ça peut très bien exclure le Mikdash. Et à ce moment-là, tu inclurais Trouma et Mabal et Marot et Mikdash. L'Agma dit non, c'est plus logique si je dois en inclure un et en exclure un autre. L'Agma dit Mistabra Mikdash, Lome Maratinan, Sheken Bekaret Kemota. Je ne vais pas exclure le Mikdash. Pourquoi? Parce que le Mikdash, c'est Karet. Donc, comme là ici, c'est Karet, on va du coup inclure le Mikdash qui a la même sanction que le Kodesh. Comme on sait déjà que le fait de consommer des korbanot en état d'impureté, c'est chayav karet, parce qu'on l'a fait une xerach avec behema, celui que je vais inclure grâce à la phrase de Bechol Kodesh Lotiga, c'est celui dont la sanction sera similaire, c'est-à-dire mikdash. Alors que dans le cas de la femme, de le trouma, c'est on a dit chayav mitavi deshemaim. La Gemara dit c'est vrai, tu as un point commun, mais la trouma a un point commun par rapport à Kodesh, c'est quoi? Adraba, au contraire, trouma. L'homéma, j'ai une raison de ne pas exclure la trouma, parce que c'est un point commun que le Mikdash n'a pas. Sheken Achila Kemota, parce que l'interdit se fait
par une consommation. Et donc du coup, on se retrouve avec un problème ici. C'est que on a appris que la consommation d'un animal impur en état d'un animal kodesh en état d'impureté, c'est chaya korban ou levioret. Maintenant, on sait qu'il y en a, qu'il y a un cas similaire qui doit être rajouté dans la parashat korban ou levioret et un cas un peu moins similaire qui devrait être exclu. Qu'est-ce qui est le plus similaire entre Trouma et Mikdash? Trouma d'un côté, au niveau de l'action même interdite, c'est plus ressemblant. Parce que Trouma de Mikdash, je mange en état d'impureté un korban, et là je mange de la Trouma en état d'impureté, donc je mange quelque chose de sain en état d'impureté. Donc au niveau de l'action, ça ressemble plus. Donc j'ai envie Mais d'un autre côté, la sanction est différente. Trouma, c'est Chaim Itabi de Shemaim, alors que le Kodesh, non. À l'air que Mikdash, le fait rentrer au Mikdash, c'est oui la même sanction. Donc on se retrouve bloqué et donc on n'a toujours pas de solution. Je rappelle donc du coup, pour l'instant, où est-ce qu'on en est? On en est à avoir une paracha qui nous dit que tout celui qui touche ce qui est impur apporte un korban olav yored, et grâce à l'expression Behemat Mea, on apprend que ça parle au moins de celui qui consomme des korbanot en état d'impureté. Maintenant, d'où on apprend que le Mikdash, celui qui rentre au Mikdash aussi, et pas celui qui consomme de la Trouma, ça pour l'instant on n'a pas de solution. Et la Marava, Rava propose, alors ça arrive très souvent dans la Gemara d'avoir des sougyotes comme ça où on dit souvent ce que Rava a à dire. Est-ce que Rava change d'avis? Est-ce que c'est plusieurs versions de Rava? En tout cas, et la Marava, Shalosh Kritot Bishlamim Lama. Lui il apprend d'autres choses. Au sujet de celui qui est impur et qui consomme des korbanot, des shlamim, c'est marqué à trois reprises qu'il est Chayav Karet. Donc je vais vous citer rapidement les versets. Et donc c'est en trop, on verra pourquoi. Kol ish ashaikra mikol zarachem el kodashim lo yochel vetumaton ala venicheta nefeshaim me'amea. Tout celui qui s'approche, toi et la descendance, qui s'approche des kodashim et qui est impur, à ce moment-là, venicheta nefeshaim, cette âme-là sera retranchée. Deuxième verset, dans Vayikra un peu plus tôt, venefesh ashatochal basar mizvach shalamim ashalashem vetumaton ala. Celui qui consomme des zevach shalamim, là on est un peu plus précis, zevach shalamim, alors qu'il est impur, Veniheta nefeshaim amea, cette âme-là sera retranchée. Troisième verset juste après, Venefesh kitiga avechotame, une personne qui touchera tout ce qui est impur, Vechal mevesar zevar shalami et qui consomme zevar shalami shalachem, Veniheta nefeshaim amea, là aussi sera retranchée. Donc il y en a trois critotes qui sont marquées dans shlamim, c'est en trop. Alors la Gemara nous dit quoi? Achat liklal, veachat liprat. Un pour dire la chose de manière générale, un pour dire la chose de manière précise, même si ce n'est pas dans l'ordre chronologique de la Torah. En tout cas, la première qu'on a citée, on l'a citée dans l'ordre que la Gemara ici utilise, c'est-à-dire un, c'est un klal. Premier verset, on a dit Kol ish asher ikra mikol arem el akodashim, les kodashim de manière générale. Second verset qui a dit, par contre, clairement, mizevach ashelamim. Et ici, on a klal ou prat, mais ce n'est pas un klal ou prat. C'est un klal sheyatsa min hakelal pour devenir un prat. Parce que klal ou prat, c'est quand c'est suivi dans une même phrase, on te dit, tu sais, si tu prends des kodashim, bah, mizevach ashelamim. Donc un des Kodashim, par exemple les Zevach Shalamim, là c'est Klal ou Prat, et là à ce moment-là on tient compte du Prat. Mais ici, c'est la Gemara appelle ça un Klal ou Prat, mais en réalité c'est pas un Klal ou Prat. Ils sont éloignés, ils sont Meruchakim Zemizé, donc du coup c'est ce qu'on appelle quelque chose qui est sorti du Klal. Tu avais un Klal, et un peu plus tard dans la Torah ou ailleurs dans la Torah, on est sorti du Klal pour donner un exemple, c'est pour dire finalement que c'est la règle, c'est de prendre tout ce qui ressemble à l'exemple, c'est ça la règle. Alors du coup, donc du coup on a un problème, c'est que sur les trois critoutes, les deux premiers je comprends, un pour donner une règle générale, le deuxième en donnant un exemple vient nous dire que c'est tout ce qui ressemble à l'exemple, mais le troisième critoute qui est rapporté juste après le deuxième d'ailleurs ne me sert à rien. Alors quoi? Je sais pas de quoi ça parle. Et veomer tumat mikdash, alors je vais dire que c'est tumat mikdash à la base. Veim enoinyan les tumat kodesh. Et si c'est pas Tumat Kodesh, j'ai dit Mikdash et Tumat Kodesh, les Navkale Miderabi, les Wainan, les Tumat Mikdash. Là, on va dire, à la base, j'aurais pensé que ça concerne l'interdit de consommer. Or, comme l'interdit de consommer, je le connais déjà, on a un principe, que lorsque on apprend une halakha que l'on sait déjà par ailleurs, eh bien, on a un principe, on dit, Imenoinan Lazé, si tu n'en as pas besoin pour parler de ce sujet-là, utilise-le pour apprendre autre chose. Donc encore une fois, si on récapitule finalement le raisonnement, on a deux versets qui nous disent qu'il est interdit de rentrer en état d'impureté au Beth Amidrash ou de consommer des kodashim en état d'impureté. Deux versets qui disent que la sanction,
c'est Chayav Keret. Mais comme l'expression qui est marquée dans la consommation de Kodashim en état d'impureté est marquée Beimat Mea, et que c'est marqué également dans la paracha Olev Yored, je sais déjà que le fait de consommer un animal de Kodashim en état d'impureté, c'est Korban Olev Yored. Et comme j'ai l'impression que le troisième Kritout là-bas de celui qui mange des Shlamim, j'ai l'impression que c'est en trop. Donc il ne sert à rien. Si c'est pour me répéter encore que je n'ai pas le droit, que c'est Korban Olev Yored pour celui qui rentre, je sais déjà. Et donc du coup, forcément, c'est venu m'apprendre qu'on rajoute Mikdash. L'Agma dit, viens, mais bah, il est. L'Agma dit, c'est pas possible. Cette troisième fausse est marquée Karet, on l'a déjà utilisée par ailleurs. Soit Rabbi Abaou, soit Rabbi Shimon, en fonction de leur avis respectif. Pourquoi Dama Rabbi Abaou dit, Shalosh Kritot Bishlamim Lama. Même question. Pourquoi dire trois fois Karet pour Shlamim? Achat Liklal, Achat Lispad, Achat Lidvarim, Shinane Khalim. Lui, il dit, un, le Klal, le Prat, et le troisième, c'est pour m'inclure autre chose. Celui qui consommerait des kadashim mais qui ne sont pas mangeables. À la base, on imagine que c'est quelqu'un qui mange un korban. Maintenant, celui qui s'amuserait à manger la ktoret, à manger les bois du misbéar, bon, à ce moment-là, j'aurais pu penser que ce n'est pas interdit, kamash malan, que oui. Ou le Rabbi Shimon d'Amar Dvarim, Shenam Nechalim, Enchayavim Alem Karet, Mishum Tum'a. Ah, le problème, c'est que Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec cette halakha. Il pense que celui qui mange la ktoret, il n'est pas exclu. Il n'est pas Chayav Karet comme c'est marqué dans cette paracha. Alors lui, il a touillé Khatat Apnimit. Lui, dit, ça vient inclure ce qu'on appelle ici Khatat Apnimit. C'est le Khatat, justement, dont le sang n'est pas projeté sur le Mizbeach à l'extérieur. C'est le Kadata Ramina. Ou il va marabishman, kol sheno karev ala Mizbeach Achetson kishlamim, en chayim alav mishum pigoul. Alors pourquoi j'ai besoin de l'apprendre? Parce que comme Rabbi Shimon a dit que tout Korban, dont le sang n'est pas projeté sur le misbéach à l'extérieur, on n'est pas chayav pigoul. Donc si la personne a eu la kavana de le manger après le zman, normalement ça rend un korban pigoul, la kavana rend l'animal pigoul, et là ici c'est pas le cas. On aurait pu penser du coup qu'il n'y a pas les interdits lorsqu'on consomme. Shumtu manami lo, j'aurais pensé que le consommer en état d'impureté ne rend pas chayav. Karet kavash malan. Des Mechayav. Donc, quoi qu'il arrive, en tout cas, l'essentiel ici, c'est qu'on reste bloqué. On n'a toujours pas de source pour Tomat Migdash, Tomat Kodesh. Le fait d'apporter Korban en Levé Yored pour celui qui consomme des Kadashim en état d'impureté, on l'a vu de Behema, Behema Tmea, qui est marqué depuis le Chiyuv Karet, et on le transpose à la paracha des Korban en Levé Yored. Maintenant, le fait d'apprendre Tomat Migdash, on ne peut pas l'apprendre parce que ce qu'a proposé Rava, d'utiliser la troisième fois où c'est marqué Karet, on a vu qu'on en a besoin, soit pour nous dire, selon Rabbi Abaou, que celui qui consommerait la ktoret ou les bois de la maracha serait Chayav Karet, ou selon Rabbi Shimon, pour nous apprendre que même Khatat Penimit, celui qui le mange en état d'impureté, il est Chayav Karet. Donc la source, on cherche toujours, encore une fois, à trouver une source pour Tumat Mikdash. Et là, Nardé, les gens de Nardéa disaient Bishmé des Rava au nom de Rava. On reprend les mêmes versets qu'on a cités à l'instant là. Les trois shlamim, sauf qu'au lieu de prendre l'expression venicheta, 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 il sera exclu cette personne là. Shalosh tumot bishlamim lama. Là-bas c'est marqué à chaque fois, hein, il est en état d'impureté. Donc la Gemara propose de dire que peut-être que c'était évident qu'on parlait de quelqu'un qui était impur. Et donc le fait de dire il est impur, c'est là ça qui est en trop. Et comme c'est en trop, on va apprendre cette halakha qui nous manque. Achad liklal, achad liprat, un pour nous apprendre. Le cas général, Khati Prat, comme après, de manière déconnectée, on apprend le Prat, on sait comment ça fonctionne. Khati Touma, Ktouva, Batora, Stam. Et un, pour parler d'une Touma, Stam. Et Niode, Amaï, et je ne sais pas c'est quoi. Vomer, Touma, Kodesh. À la base, j'aurais dit que c'est celui qui consomme, encore une fois. Mais puisque je le sais déjà, les Menonian, les Touma, Kodesh, les Nafkale, Mide, Rabbi, puisqu'on l'apprend de Rabbi avec le Xerachar, Behema, Behema, Nehuainian, les Touma, Mikdash. Alors, tu dois apprendre Touma, Mikdash. La Gemara dit là aussi, Vehaïn, Ami, Baile, on en a besoin. Aïdé de Baali Mirtav Karet, et de Rabbi Abaou, Katanami Toumot, Delos Agila, Belavachi. À partir du moment où on avait besoin d'enseigner trois fois Karet pour Rabbi Abaou et au passage même pour Rabbi Shimon, pour t'apprendre finalement quoi? Que celui qui consomme l'actoret en état d'impureté ou celui qui consomme le Rabbi Shimon même, qui consomme le Khatat Penimit, du coup on était obligé de préciser, même dans la troisième paracha, qu'il est impur. Parce que si tu ne précises pas qu'il est impur, tu ne peux pas appliquer les limoudim de Rabbi Abaou et de Rabbi Shimon. Et donc, du coup, l'Agma nous dit, tout mode, ce n'est pas en trop. Et là, Marava,
Abba, je crois que c'est ici la dernière proposition de Rava. Atia tum ato, tum ato. On va faire un xera shava entre l'expression tum ato, son impureté, son impureté. Tivacha, c'est marqué dans notre paracha, l'échol tum ato. Rappelez-vous, on a dit dans le verset, on dit là-bas que l'échol tum ato achait maba, toute sa tum'a, toute son impureté achait maba dans laquelle il sera impurifié. Et c'est marqué par ailleurs dans la page d'Ein Amoud Bet. Pour Tivatam, c'est marqué ailleurs dans la paracha de Paradouma de la vache rousse. Tame iye, il sera impur. Od tum atobo, son impureté est encore sur lui. Tum ato, tum ato. Male alan be tumat migdash, afkan tum at migdash. De la même manière que là-bas dans la paracha d'Uma, on parle du fait de rentrer au migdash en état d'impureté. Pareil chez nous. Agma dit attends. Et maintenant, vela bah la mali. Rappelez-vous que nous, on avait une exclusion. Elle nous pose problème cette exclusion. Parce qu'au départ, on a voulu exclure quelque chose. Finalement, c'est auto-exclu. Et là, ici, on a un autre problème. C'est maintenant que tu m'as dit que l'échol tumato, toute son impureté, a shayit maba, dans laquelle il sera impurifié, dans cette impureté, pas une autre. À partir du moment où tu m'as dit qu'il y a une exclusion, il faut que tu me trouves quelque chose à exclure. Alors, quand tu m'avais dit que l'échol tumato, ça vient inclure toute la tuma, à ce moment-là, j'ai besoin d'inclure un. Donc, exemple, par exemple, on inclut migdash. Et Itmaba, on exclut Trouma. Mais là, ici, comment on a appris Migdash finalement? Par une Xerashava. Et une Xerashava, c'est du sur-mesure. C'est-à-dire, on prend le cas là-bas de Toumat Migdash de Paradouma, on le transpose chez nous. Donc, il n'y a aucune Avamina d'apprendre la Trouma. S'il n'y a pas d'Avamina d'apprendre la Trouma, Acha Itmaba, c'est venu exclure qui? Puisque tu n'as personne à exclure. Puisque tu as ramené au compte-gouttes. Finalement, on a une double Xerashava, c'est pas compliqué. On a Be Matmea. On transpose de la paracha qui parle de la consommation des corbanotes et de manière volontaire, ou ces carettes, on transpose chez nous dans Corbanot le Yored, Behemat Mea, celui qui a Corbanot le Yored, c'est quand, de manière involontaire, il consomme des kadashim. Maintenant, rentre au Mikdash, je la prends, autre Xerashava, Tumato. Tumato Bo pour la Paradouma, c'est là-bas, rentre au Mikdash, chez nous aussi. Donc on a deux Xerashava qui nous apprennent vraiment. Au compte-gouttes, les halakhot, chez nous, dans la paracha de Korbanot Leviored, l'expression Tumato et l'expression Behematmea nous apprennent d'Afka le fait de rentrer au Mikdash et le fait de consommer un Korban en état d'impureté. Point bas. Donc, a priori, bas, on n'en a pas besoin. Donc, la Mali, la Mali dit les rabot, Nivlat of Tahor. Ça vient rajouter un cas. Une exclusion qui vient rajouter un cas, on va y arriver tout de suite. Donc, ça vient rajouter quoi? Of Tahor. Celui qui aurait consommé un animal donc, qui est pur lui-même, donc c'est la volaille par exemple, qui est pur, mais l'animal étant mort, il y a une impureté. Alors l'agma nous dit quoi? Ha'amart, bam ya'outahu. L'agma dit, attends, déjà il y a un problème. Tu me parles d'une exclusion depuis le départ, bah ça veut dire cette impureté, ce cas-là et pas un autre. Donc, ce cas-là c'est quoi? C'est rentrer au Mikdash ou consommer des corbanotes en état d'impureté. Mais maintenant d'où je sais que celui qui s'est impurifié en consommant Nivlat Off, d'où je sais? Alors l'agma a dit, bah, mais l'agma a dit, mais bah, c'est un miraut, c'est bien exclu, ça ne vient pas rajouter. L'agma a dit, mais choum des miraoutahu, aïtar. Justement, comme c'est une exclusion, ça inclut. Alors comment ça fonctionne? Ktiv, ok, gab et tumat adam, parce qu'on a répété encore une fois, celui qui touche un animal, sauvage, domestique, n'importe quel rampant, ou qui touche un homme. Alors, je redis quoi là-bas? Des barnegia, c'est vrai que le verset, je vous le cite, hein, en effet, je kitiga, qui touche toute chose impure, un animal X, Y, Z, okiga, betumat adam. Le fait de préciser une seconde fois, kiga, qui touche. On aurait pu dire, qui touche ça, et on continue. Mais pourquoi répéter encore une fois, qui touche? Le fait de répéter une seconde fois, qui touche, ça dit attention. Normalement, le problème ici ne se pose que si la personne est rentrée au Mikdash ou a consommé un animal de Korbanot, alors que son impureté a été contractée par le contact, puisque c'est marqué Ki tiga bechol davatame, Ki yiga betumat adam. Et celui qui aurait contracté une impureté autrement, peut-être que non. Et c'est pour ça, du coup, la Gemara nous dit quoi? Des banegain, des lavar de gaalo, la pashtut de Kiga, ça vient justement nous dire qu'il n'y a que l'impureté contractée par le contact. Ortiva, et comme c'est marqué après, bah, cette impureté-là et pas autre chose. À ce moment-là, c'est mi'outa. Avant mi'outa, har mi'out, c'est une exclusion. Après une exclusion, ve'en mi'outa, har mi'out, et la lerabot. Et une exclusion, après une exclusion,
ne fait que rajouter. Bon, alors c'est le moins qui fait du plus, mais il faut comprendre dans le fond cette logique-là. C'est une manière de dire que finalement, lorsque tu as le début du verset qui semble t'exclure quelque chose, et qu'après on semble te l'exclure à nouveau, au lieu de te dire que la Torah se répète, puisque c'est une exclusion, on dirait en fait qu'on exclut l'exclusion. On exclut l'idée d'exclure. Donc ce que tu as voulu exclure, Kiga, ça te donne l'impression que finalement ça met de côté ce cas. Eh bien, en te répétant, je te dis, mais mets de côté cette idée que tu as de mettre de côté le cas. Et donc, du coup, ça l'inclut. Et donc, quelle est la chose sur laquelle on a cette impureté qui est contractée, non pas par le contact, mais par la consommation? C'est cet animal qui est pur à la base, mais qui est mort de manière non shritée, sans shrita. Et donc, à ce moment-là, l'impureté sera contractée au moment où la viande passe dans le betablia, dans le gosier. Quand ça passe, c'est à ce moment-là que l'impureté est contractée, et donc c'est pas Kitiga, c'est pas Kiiga, et donc c'est pour ça qu'on l'inclut. La suite de la Mishnah. Yesh bayedia abatrila, ben bayedia abasof, sa'ir anaase, bifnim. On reprend la Mishnah, qu'il est toujours bon de regarder, ce qu'elle est un peu complexe, la Mishnah, c'est bon de faire un petit razara dessus. Donc on nous disait quoi dans la Mishnah? Là, jusqu'à présent, on avait parlé du korban enlevé au red pour celui qui sait au départ qu'il est impur et qui connaît la lacha, qui oublie et qui à la fin est au courant. Lui, c'est Olev Yored. Maintenant, celui qui a la connaissance au début et qui n'a pas la connaissance à la fin, il ne sait pas comment sa faute va être expiée, c'est le Sa'ir Anasé Bifnim, c'est le Sa'ir, le bouc que l'on va apporter à l'intérieur de l'Azara, le jour de Yom HaKippurim, et Aitsumo, et le jour même de Yom HaKippurim, qui est Mechaper, cette faute dont il n'est pas au courant. La Braïta maintenant va nous rapporter un peu la source de cet enseignement. Tanou Rabbanan, Vechiper à la Kodesh Mitumot Ben Israël. Par rapport justement à ce fameux Sa'ir Shnaasa Bifnim, on nous cite un verset là dans Vaikra, Charemot, Vechiper à la Kodesh. Ce boucle-là va expier la faute à la Kodesh, sur la sainteté. Mitumot Ben Israël, qui provient des impuretés des Ben Israël. Ça va donc pardonner, expier la faute par rapport à la sainteté qui provient des tumot, des impuretés au pluriel, des Bnei Israël. Yeshli be'inyan zeh, la pashtut ici nous dit la Gemara, la Braïta, c'est d'inclure toutes les tumot. Et là, on va citer vraiment les pires. Les pires tumot, les pires interdits de la Torah, ceux pour lesquels normalement on n'a même pas le droit de sauver une vie et de les transgresser. On doit se laisser mourir plutôt que les transgresser. Shalosh tumot, c'est quoi les trois tumot en question? Tumat avodazara, l'idolâtrie. Tumat Giloui Ayot, les relations interdites. Tumat Shfichut Damim, et l'impureté liée au meurtre. D'où on sait que ces trois interdits-là, gravissimes, sont appelés impuretés. Bah, Avodah Zarah, ou on met dans Avodah Zarah, c'est marqué Lema'an Tamed Mikdashi. Celui qui fait l'Avodah Zarah, il fait ça, Lema'an Tamed Mikdashi, pour impurifier mon sanctuaire. Pour Giloui Ayot, les relations interdites, ou Omer, ou Shumartem et Mishmarti, vous garderez mes garde-fous, on va dire, les Vitiya Asod, mes Chokot Ator Avot, mes Choule, Veloit Titame Ubahem. Pour faire attention de ne pas suivre les règles dégoûtantes qu'avaient les nations, et rouler à la fin, c'est marqué Velotitameubem, et vous n'allez pas vous impurifier par ces pratiques-là. Donc on voit que les relations interdites impurifient la personne. Ici, on ne parle pas alachiquement, on parle au niveau, en tout cas, spirituel. Bishichodami, pour le sang, c'est marqué Omer Velotitamet Aretz. On ne tue pas, ne verse pas le sang, et ainsi n'impurifie pas la terre. Yachol ha-shalosh tumot alalu yesa'im mechaper. Du coup, on pourrait penser que comme c'est marqué là-bas, mitumot bnei Israël, les tumot de bnei Israël, on aurait pu penser que ça concerne toutes les tumot, jusqu'à ces interdits, que celui qui aurait tué, fait avodah zarah ou pratiqué une relation interdite serait peut-être pardonné par ce korban-là. Talmud Lomar, la Torah dit mitumot bnei Israël, pas toutes les tumot. Mitumot, une partie des tumot, des impuretés, sera pardonnée. Vélo, kol, tumot. Alors maintenant qu'on sait que ce n'est pas toutes les tumot, c'est une partie, il faut savoir lesquelles. On sait maintenant que ce n'est pas tout. Une fois que ce n'est pas tout, quelles sont ces tumot qui sont concernées? Mi tumot, c'est une partie, pas tout. Alors, on dit, mamatsino, on fait un mamatsino. Pourquoi? Shichile kakatov, miklal, kol tumot. On fait comme un endroit où la Torah a fait une distinction entre les tumot. Eve omer, tuman mikdash, ve kadasha. On a vu qu'on avait une distinction par rapport à Mikdash et Kodashav, comme on a vu pour Korban Olev Yored, qu'on verra dans le DAF de demain. On a une distinction entre Mikdash
et que Rachel le fait de rentrer au Beth Amikdash ou de consommer un korban en état d'impureté, Afkan pareil chez nous, Touman Mikdash Vekadasha, on va dire que ça inclut Mikdash Vekadasha. Divrei Rabbi Yehuda, ça c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon Omer, Mimkoma Moucha, il dit non, pourquoi tu es parti chercher si loin? On peut l'apprendre de la même paracha, juste avant c'est marqué quoi? Rabbi Omer, Vechiper à la Kodesh, ça va pardonner, expier par rapport à la sainteté, Mitoumot. Mitoumot, c'est le Kodesh. Tu vois bien que c'est l'impureté qui est liée au Kodesh, et donc c'est Kodesh et Mikdash. Donc, Marloket ici, Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, d'où on sait finalement que cette paracha là-bas, du Korban qui est fait Bifnim le jour de Yom Kippourim, dont on sait que ça parle que de Mikdash et que de Kodesh, donc le fait de rentrer au Mikdash en état d'impureté ou de consommer encore en état d'impureté, le fait que ça dit Mitoumot, Mitoumot, c'est pas toutes les Toumot, et on va dire celles qui sont en général mises à part. Alors, la Gemara dit Yachol, Alkol Touma Sheba Kodesh, Yesae Mechaper. Alors, si c'est ça, on devrait inclure tout ce qui est Kodesh, encore une fois, selon la Shita de Rabbi Shimon, parce qu'à la limite, Rabbi Yehuda dit non, on prend le groupe la connu, la Mikdash Ve Kodesh, c'est la paire qui est connue, dès qu'on met à part, c'est eux. Maintenant, le problème, c'est que Rabbi Shimon a dit non, c'est du mot Kodesh. Vechiper à la Kodesh, Mitoumot. Mitoumot du Kodesh. Alors, si ça, il y a plein de Kodesh. Alors, maintenant, Talmud Lomar, Umi Pish Ahem Lechol Hatotam. C'est marqué là-bas dans le même paracha. Umi Pish Ahem Lechol Hatotam. C'est un peu bizarre à traduire. Mi Pish Ahem, parmi les fautes, et Pish Ahem, pêche en général, c'est quelque chose de volontaire. Lechol Hatotam, Hatotam, c'est involontaire. Alors, il m'a dit, Hataim, Dumia Depshaim. Comment comprendre ce paradoxe? C'est Hataim, les fautes involontaires, qui ressemblent à Peshaim. C'est quoi? Ma Peshaim Shinam Bene Korban, de la même manière que les fautes volontaires n'ont pas de sacrifice pour les pardonner. Afrataim, pareil ici on parle des fautes, Shinam Bene Korban, sur lesquelles il n'y a pas de Korban. Pourquoi? Parce que rappelez-vous que pour avoir Korban dans les Vioren, lorsqu'on consomme un animal de Korban en état d'impureté ou qu'on rentre au Beth Amikdash, il faut le savoir au début, le savoir à la fin et oublier au milieu. Or là on est dans un cas où la personne sait au début, oublie et à la fin elle ne sait pas. Donc comme elle ne sait pas, c'est marqué là, il faut que Veyada Vehachem, il faut qu'il sache pour pouvoir apporter le Korban. Comme il ne sait pas, il ne peut pas. Et donc, du coup, la Gemara nous dit, selon Rabbi Shimon, d'où on sait que le seul Kodesh, là-bas dans le Korban, encore une fois, de Yom Kippourim qui fait Bifnim, d'où on sait que le Kodesh qu'il concerne, c'est ce Kodesh-là, parce qu'il faut que ce soit un Kodesh dont la Khatat, dont la faute involontaire ressemble à un Pesha, de l'expression Mi Pishaim Lechol Hatotam, et donc, c'est le cas où il ne peut pas porter un korban parce qu'il n'a pas un manque de yedia qui est complet. Minayin, leyesh bayedia betrila vein bayedia basof. Chez Saïr Zetolé, dont on sait que c'est notre cas là, où il y a une yedia au début et pas à la fin. Tamuloma, lechol hatotam, chaybe chataot bemashma. Pourquoi est-ce qu'on aurait pu penser peut-être que c'est même quelqu'un qui ne sait pas du tout, ni au début ni à la fin? La Gemara nous dit non, il faut quand même c'est marqué après, lechol hatotam. Il faut que ça ressemble tout de même un khatat. Et donc du coup ici, encore une fois, selon Rabbi Yehuda, c'est clair, on prend les deux cas classiques, Mikdash et Kodesh, qu'on verra demain. Selon Rabbi Shimon, c'est un peu plus compliqué, il dit non, on va prendre de la paracha. C'est marqué Mitoumot, de quel Toumot? Les Toumot du Kodesh, ah mais pas toutes. Celles dont les fautes involontaires ressemblent à des volontaires, mais qui ressemblent plus quand même à de l'involontaire, c'est-à-dire qu'il sait au début et il ne sait plus à la fin. Je rappelle encore une fois, au moins la maskana par rapport aux sources, dont on sait finalement, on sait déjà qu'on a deux versets qui interdisent de rentrer au Mikdash et de consommer un korban en état d'impureté. Azara, on l'a. Ronesh, on a deux versets aussi qui disent que Venicheta, donc c'est Karet. Donc d'où on sait que la paracha de korban en levi yored, qui parle de Shvua, qui parle de celui qui refuse de témoigner, et qui parle en même temps de quelqu'un qui aurait touché quelque chose d'impur, mais on ne sait pas exactement quel est son problème. D'où on sait que là-bas, ça parle de rentrer au Mikdash, de consommer un korban, et que de cela, en maskana, c'est assez simple. L'expression Behemat Mea qui est marquée ici, qui n'est pas nécessaire, parce qu'on a déjà dit Chayat Mea. Behemat Mea, c'est venu m'apprendre que ce qu'on apprend là-bas dans Kodesh, on a Behemat Mea qui est marqué pour celui qui mange de manière volontaire du Kodesh en état d'impureté, là-bas il est exclu, il est retranché. On transpose chez nous ce qu'on a la même expression. Et autre chose, c'est l'expression Lechol Toumato qui est marqué chez nous. Et qui est marqué là-bas dans Paradouma. Paradouma, c'est rentré au Mikdash le problème là-bas. Chez nous aussi, c'est rentré au Mikdash. Donc on a deux Xerasha, Behemat Mea et Chotumato, qui inclut l'interdit de rentrer au Mikdash et l'interdit de consommer un korban en état d'impureté, qui l'inclut dans la paracha
de relève Yored lorsqu'il sait au début qu'il sait à la fin et qu'il oublie entre les deux. Et on rajoute finalement, en maskana, on rajoute celui qui se serait rendu impur avant de rentrer au Mikdash ou de consommer le Korban en consommant une Evela d'un off qui est à or. Comment on l'inclut? On l'inclut de la double exclusion. Puisque c'est marqué Kitiga et Kiyiga, ça vient au départ ne parler que d'un cas d'une personne qui se serait impurifiée par le contact. Mais comme après avoir exclu une seconde fois en disant Kiyiga, on dit Ashaït Maba que de cette manière, en disant deux fois qu'on exclut quelque chose, on a expliqué tout à l'heure, c'est manière finalement de l'inclure. Et on est resté sur le Machloket Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, d'où on sait finalement que maintenant, dans le cas où la personne est au courant au début, qu'elle oublie mais qu'à la fin elle n'est pas au courant, d'où on sait que c'est le Korban qui est fait à l'intérieur de la Hazara de Kippour qui pardonne, on sait de Mitumot que ça ne peut pas inclure toutes les Tumot, parce que c'est Mitumot et pas les Chol Tumato. Ou Tumotav, c'est Mitumato, Mitumot. Maintenant, d'où on sait que c'est que certaines, selon Rabbi Yehuda, à partir du moment où on exclut, on ne parle que de certaines, eh bien, Mistama, la présomption, c'est qu'on parle de Mikdash, de Kodashah, on verra demain pourquoi. Selon Rabbi Shimon, c'est un peu plus complexe. Il utilise le mot Kodesh qui est marqué avec Riper à la Kodesh, donc on sait que ça parle de Kodesh, mais pas tout Kodesh, parce qu'il faut que ce soit un Kodesh dont les fautes involontaire ressemble aux fautes volontaires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'expiation possible. Mipijen l'echol hatotam, et en disant une seconde fois l'echol hatotam, ça vient nous dire que c'est un cas où il sait au début et pas à la fin. Bon, c'est un petit peu complexe la fin, mais globalement, on a les sources pour les halakhot qu'on a étudiées.